Salut, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le Grand Prix de Belgique aujourd'hui. Ma réputation a à peine levé. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà, c'est chez Williams, Force India, Renault, Toro Rosso et Haas qui a monté. Sauber est monté aussi. Mais je vise pas Sauber, j'ai pas envie de réaméliorer ma longévité. Soyez 17e, ça passe devant Marcus Ericsson. En Belgique, c'est clairement ce que je vais viser parce que mon moteur il est pas au top. Voilà, mon moteur il est à 52%. Le MGUK il est foutu. Voilà, il a fait 91 tours. Le MGUK et l'électronique de commande il en a fait 128. Voilà. Ouais, je vais le changer, je crois. Je vais le changer, c'est parti. Et voilà, le MGUK fera bien changer aux prochaines courses. Donc j'aurai une pénalité sur la grille en Italie. Ah mais tant pis, parce que l'Italie, je vais pas la gérer du tout. Je serai à l'arrière, c'est sûr. On va tout de suite partir pour la course. Je vous dis bon visionnage. Bon visionnage et bonne course. Tout très compétitif ici à Spa. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui à votre avis? Si la compétition est aussi disputée, surtout en milieu de grille, alors ce sont ceux qui sauront préserver leurs pneus avant qui feront la différence. Vous perdez toujours un peu d'appui avant si vous êtes pris dans les turbulences d'une autre voiture, ce qui se traduit par un certain sous-virage et une usure prématurée des pneus avant. S'ils sont trop usés, un arrêt au stand trop tôt peut vous mettre en difficulté. Les pilotes ne devront donc pas être trop agressifs au début du Grand Prix. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Lewis Hamilton part en pole, accompagné de Sebastian Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, Lance Stroll et Verstappen, Massa, Ricciardo, Palmer et Kevin Magnussen, Hülkenberg, Perez, Esteban Ocon et Kvyat, Sainz et une McLaren, Romain Grosjean et Fernando Alonso, Verlaine et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. On a dépassé la mi-saison et tes performances sont très bonnes. Fais le plein de confiance avec ce départ.
mélange est de nouveau disponible, mais il y a un risque de récidive. Disponible. Tu peux l'utiliser dans les zones indiquées lorsque tu es à moins d'une seconde de la voiture qui te précède.
vraiment en sale état. On doit te faire rentrer au stand dans ce tour. Fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ses comme jusqu'au bout. Super temps.
6,6 secondes.
les trois tours de carburant. Attention.
maintenant c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Voici les trois vainqueurs qui montent sur le podium. Ils ont signé une très belle performance après une course particulièrement ardue. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Si on vous demandait le pilote du jour, Nicolas Martin, ce serait qui pour vous? À mon avis, c'est Nico Hülkenberg. Il a fait preuve d'une conduite exemplaire. Ce qui est sûr, c'est que sa réputation est tout à fait justifiée. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. C'est tout pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt!